Bonjour tout le monde, c'est JackorPro et dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 codes dans le jeu Doors. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu Doors, en fait, c'est un jeu comme où est-ce que vous devez aller de salle en salle et jusqu'à temps que vous arrivez à la fin. Donc, le lien de ce jeu sera dans la description si vous voulez y jouer. Donc, je vais vous donner les codes tout de suite. Donc, les codes, ça sert à quoi? Ben, en fait, ça sert à avoir des jetons, comme vous voyez. Et avec les jetons, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vous acheter des matériaux comme au début de game. Donc comme vous voyez, quand vous arrivez dans l'ascenseur, vous pouvez acheter comme plusieurs choses avec de l'argent du jeu. Donc quand on va mettre les codes, vous allez en avoir. Donc vous pourrez acheter ceci pour que ce soit plus facile quand vous jouez. Donc c'est parti pour les codes. Donc vous devez aller sur le shop ici. Allez ici en haut. Et vous écrivez ici ben, le premier code qui sera test. Donc toi en majuscule, comme vous voyez, ça serait test. Et quand on fait, vous allez recevoir des jetons, mais moi je l'ai déjà utilisé, donc j'ai rien reçu. Mais vous, vous auriez reçu des jetons. Le prochain code, c'est look behind you. Donc ça, c'est le prochain code. Donc quand on l'utilise, vous allez encore avoir des jetons, mais moi je l'ai déjà utilisé, donc je vais pas en avoir. Donc le prochain code, c'est celui-là, 50 millions visées, donc comme ceci, et vous cliquez ici. L'avant-dernier, c'est ça, vous faites l'avoir. Et ça dit que j'ai redeem le code et j'ai eu 50 jetons. Donc pour le dernier code, ça serait Screech Socks, donc c'est comme ça qu'on l'écrit. Et vous faites, voilà, et vous aurez encore eu des jetons. Donc voilà, donc ça c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un maximum de pouces bleus si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des codes. Et je vous dis à la prochaine. Bye!